Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, désolé pour ça. Bienvenue dans le feu de l'action, mercredi 12 juin 2019. L'inflation est en hausse un peu en Chine. Le président américain Donald Trump a défendu mardi l'utilisation des droits de douane dans le cadre de sa stratégie commerciale, tandis que la Chine promettait une réponse ferme si Washington insistait sur l'escalade des tensions commerciales. Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, et Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international, ont mis en garde mercredi à propos du conflit commercial mondial. Quelques petites nouvelles, quelques-unes un peu sans importance. Tiens, la première n'est pas vraiment importante, le titre ne fait rien. Là. La compagnie va faire un flacon de 10 millilitres au lieu d'un 20 millilitres. Ce n'est pas fort comme nouvelle. Mattel refuse une deuxième offre d'achat. Mattel qui a fait semblant de décoller aussi en avril quand il y a eu la première offre. Puis là, il y a la deuxième offre, mais ils ne montent pas vraiment à cause de ça. Puis ils la refusent, ils disent que ce n'est pas avantageux pour la compagnie. Ah oui, le graphique, oui. Ils disent que ce n'est pas avantageux pour la compagnie. Bon, Neptune encore un matin, encore une autre nouvelle là, sur Neptune. Ici. Neptune, qui n'a pas donné suite bien. En fait, les compagnies de cannabis, là, ils s'échangent des services entre eux autres. Là. Ils ont signé un accord avec Green Organic Dutchman, qui lui non plus fait rien. Afin de fournir des services d'extraction, de formulation et de conditionnement. Ces extraits seront transformés en produits finis certifiés biologiques de qualité supérieure. Je pense à l'aise, c'est des affaires pour des vapoteuses de cannabis. Le gouvernement d'Alberta cherche à se décharger des contrats de 3,7 milliards conclus dans le cadre d'un accord sur le brut par rail annoncé M. Kenney. Le gouvernement du NPD avait signé des accords en vue de la location de 4 400 wagons qui achemineraient le brut de l'Alberta vers le marché, mais avant la défaite du parti lors des élections. Donc, puis là, le nouveau parti a décidé, bon, on n'en veut plus de ça, fait qu'il essaye de canceller ça. En fait, ce matin, CPCN était en baisse, maintenant, sont en hausse.
mais rien de très, très, très important. Les gros mouvements de la journée aujourd'hui, c'est le pétrole, c'est les services financiers, surtout le cannabis qui ne va pas très bien non plus. On commence par le pétrole. USO qui est reparti en baisse ce matin, donc reprend sa tendance baissière. Le gaz rechute un petit peu et les titres qui... c'est pas tous les titres qui chutent, mais il y a quand, eu quand même pas mal d'élan baissier. Un élan aussi est surprenant ici de Shawcor sur un petit volume. Puis là, il semble avoir terminé sa hausse pour la journée. Mais les autres ne sont pas vraiment positifs. Il y a beaucoup plus de pression à la baisse qu'à la hausse dans le secteur pétrolier. Vous voyez Gran Sierra sur le bord d'un élan. Whitecap qui continue pour une troisième journée à la baisse. Il y a Paramount, puis NR+, puis Kelt, puis Enbridge, Birchcliff. Il y a beaucoup de stocks qui chutent là. Et puis, dans les orifères, c'est le contraire. Un bon rebond de l'or ce matin. Donc, ça a propulsé les titres orifères à la hausse aussi. Il y a eu quelques élans là-dedans. Il y a Barrick qui reprend un cycle haussier. Il y a Kirkland qui est un des titres les plus forts qui est aussi en hausse. West Dome qui commence un cycle haussier. Donc, un peu mieux de ce côté-là. Dans les minières, bon, c'est arrêté. Le mouvement d'hier ne continue pas. La plupart des titres sont en correction du côté des mines. Il y en a juste un qui est beaucoup plus beau que les autres, c'est Pretium, qui, lui, était en élan haussier aujourd'hui. Mais si vous n'êtes pas encore dedans, il vaut mieux attendre qu'il refasse encore un nouveau haut à 12,70, 12,75. Et regardez ce que je vous parlais dans le secteur financier, c'est vraiment... une reprise de la tendance baissière à court terme qui avait inversé la tendance haussière à moyen terme. Donc, la Banque Laurentienne tient le coup un peu. La Banque Scotia sera en élan sur un nouveau bas. La Banque de Montréal aussi. La TD est déjà passé son support. La Banque Royale est en élan baissier. La Banque de Commerce, la Banque Nationale. Ensuite, il y a Manulife, il y a Sun Life, il y a Power... Corp, il y a aussi Powerfin, puis il y avait un autre, c'est Great West aussi qui était en élan baissier. Donc beaucoup de pression à la baisse dans le secteur financier. Secteur industriel, c'est calme. Secteur de real estate, c'est calme aussi. Service aux collectivités, c'est dans la phase neutre. Dans la consommation de base, il n'y a rien qui bouge. Puis dans la technologie, c'est complètement arrêté. Dans la santé, en dehors du cannabis qui baisse, l'indice de la santé baisse plus que le cannabis là, parce qu'il y a Bosch qui est venu se rajouter à ça. Par contre, il y en a un qui est à l'inverse, c'est Knight Therapeutics qui, lui, est en élan haussier. Si on va voir là du côté du cannabis, c'est encore en baisse pas mal partout ce matin, en dehors de Neptune là, qui a monté, mais où ça donne pas suite. On voit encore quand même pas mal de pression à la baisse sur les supports du côté du cannabis. Puis quand on regarde l'indice HMMJ, vous voyez qu'on est en reprise de la tendance baissière. Et à part N-Wave qui reste sur son haut, Neptune qui est toujours en hausse, mais sans progression, les autres sont tous en plafonnement ou en correction. Puis regardez, là, tous ceux que j'ai mis des S ici, là, c'est pas des mouvements enviables, c'est vraiment des mouvements à la baisse. On revire de bord sur Alcana avant d'avoir traversé la résistance. Village Farm s'en va vers son support. Afria s'en va vers son support. Canopy, la même chose. Aurora, Organigram, on peut tous les voir qui se foncent vers leur support. Il y a TGOD, Exo aussi a repris sa tendance baissière. Canopy River, Delta 9, puis tous les autres là, sont écrasés sur des supports. Ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'ils traversent en élan baissier, comme Pharmacielo, NBEV, Namasté. Regardez 48 North sur un support extrêmement important. Ça devrait rebondir, mais si ça ne rebondit pas, ça veut dire que ça va quand même chuter pas mal à la baisse. Donc, le pétrole toujours en baisse et qui s'apprête à faire un nouveau bas pour le moment. Donc, les titres pétroliers qui vont continuer à la baisse aussi, tandis que l'or se maintient à la hausse ce matin, tout comme les titres orifères qui me sont même un peu plus forts que la ressource. Regardez le secteur financier, comment c'est pas solide. Les petits rebonds ne durent pas et il semble qu'on pourrait faire encore un nouveau bas dans le secteur pétrolier. Donc, encore un marché difficile, là. À la hausse, en tout cas, c'est un marché difficile. Il y a plus de stocks qui chutent qu'il y en a qui montent. FDP à New York, OK, pour prendre une position. FDP.
Bon, non, c'est pas. Si c'est. Non, c'est ça, FDP, j'ai le bon symbole. Non, pas vraiment, parce que le titre est bien avancé dans son cycle haussier. Puis aujourd'hui, il montre quand même une interruption dans son mouvement qu'on va voir dans le graphique de 15 minutes. Vous voyez, la tendance était comme ça, mais là, on est rendu dans une formation neutre de 2 jours et demi. Donc, le seul point d'entrée qu'il y aura là-dedans sera à 28,15, 16 ou 20, là, avec un potentiel jusqu'à 29,5 à peu près. DRX payait 1,35. C'est ADF Group. Donc, 1,35, il est encore là. Il y a quelque chose qui n'est pas bien joli sur lui ce matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a ouvert complètement en haut, je pense, c'est ça. Il a ouvert ici sur son prix d'ouverture, 1,75. Il ne fait que baisser depuis ce temps-là. Donc, puis là, ben, les acheteurs sont là, les vendeurs sont là. Ils risquent de rebaisser encore. Peut-être préférable de fermer la position. Vous n'êtes pas à perte là, dans le moment avec ce qui a l'air tout. Ça a vraiment l'air d'un faux décollage, là, cette affaire-là. Peut-être qu'il vaudrait mieux la reprendre plus tard. Vendu à découvert hier, 500 $. À 42,26. Il vaut 42,55. OK. C'était un titre en tendance baissière, là, qui est venu tester vraiment solidement son support. Là. État financier demain matin, feeling à la baisse. Bon, ben écoutez, ça reste quand même un risque. Hein? Je n'ai pas vu les états financiers des derniers mois. Peut-être que vous en savez un peu plus là, là-dessus. Si vous attendez que ce soit à la baisse, bon, ça va être en baisse. Mais par contre, s'ils sortaient avec un bon résultat financier, oups! Ça pourrait faire un 2 ou 3 $. Pour l'instant, vous perdez 25 cents, 26 à 55, 30 cents sur ça. En tout cas, je pense que ça vaudra la peine de mettre un stop juste en dessous au-dessus du haut d'aujourd'hui, genre quelque chose comme ça, comme 43 et 14. Là. GCL à Toronto. C'est elle, c'est ça. Collabore. Achat à 88 cents. Il vaut 89 cents. Bon. La tendance est toujours haussière. On va regarder dans son graphique intra-séance. C'est difficile hein, à cause de son schling-chling qu'il a fait ici. Le titre est vraiment maintenant dans une phase neutre. Donc, il va avoir un signal de vente à 79, puis il va avoir un signal d'achat à 96. Mais là, on est entre les deux. Il faut dire que la tendance primaire, quand même, c'est une tendance haussière. Puis là, ben, peu importe ce que le marché fait, il n'a pas l'air trop affecté. Je pense qu'il va falloir être un peu patient. Un stop à 79 cents sera peut-être le best. J'ai acheté HOD 6,44 du DOM. Il vaut 6,55. Et puis là, ben, regarde, il est en train de faire son haut. À 6,70, il va ralentir. Donc, je vous suggère, en atteignant 6,46, de vendre. 6,46, non, c'est pas ça. En atteignant 6,70, vendre la moitié de la position. C'est un achat, ben moi, je trouve qu'il y a trop de résistance, puis en plus, il se dégonfle. Donc, il est parti en hausse ce matin. Ça inversait ce cycle-là qu'on voit ici, OK? Mais n'oubliez pas qu'il a fait l'aller-retour ici. Donc, ce cycle-là est une phase neutre en haut d'une tendance haussière. Son potentiel était jusqu'à 3 piastres, qui était à peu près ici. Mais là, il est en train de se dégonfler. Donc, moi, je ne le vois pas comme un achat, pas intéressant. Le vrai, vrai bon moment où ce titre-là sera intéressant, c'est lorsqu'il va atteindre sa résistance, qui ferait quelque chose comme ça ici, pour finalement, quelques jours plus tard, redécoller à 3,10 après une pause en bas de 3 piastres. Ce serait ça le meilleur point d'entrée technique. SNC et CNQ. Bon, SNC... Je ne comprends pas les gens d'avoir même envie, même en rêve de l'acheter. Parce que c'est un cauchemar.
Je trouve que cette entreprise-là, avec ce qui se passe dans le moment dans la compagnie, est vraiment très risquée. Puis de toute façon, c'est une grande tendance baissière, là, OK? Il n'y a rien à faire avec ça. Il n'y aurait pas de signal intéressant là, avant que le titre se stabilise à 27 et 27, OK? Puis qu'il là, il décolle à 28 et quart. On fait une pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. On est revenu. Bon, j'étais en train de regarder les questions, c'est pour ça que je vais les laisser au noir un peu. Cascade, donc, bon pour un départ ou trop tard? Bien, Cascade, il est branleux, là, un matin. Il est stocké là depuis longtemps. Oui, c'est vrai qu'il y a un mouvement dans les papiers, un peu. Il y a eu Canfor qui a décollé ce matin. C'était lui le plus beau. Je l'ai même fait en day trading un petit bout de temps ce matin. Il y a Canfor Pulp qui se prépare à faire la même chose, mais c'est Interfor qui avait décollé hier. Puis Cascade, il a fait ça ce matin. Il vient tout juste de redécoller. Là. Bon, j'ai arrêté de le surveiller avant l'émission il y a quelques minutes. Non, c'est ça qu'il faisait ce matin. Il restait coincé là-dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, il vient de remonter. Mais c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de fêtes aussi. J'ai de la misère à voir ça. En tout cas, le problème, c'est que ça nous prend toujours une place comme point de sortie. OK? Ça fait que si vous embarquez là-dedans, bien, ça diminuerait le risque bien gros. Là, regarde, on pourrait mettre un stop là, à 20 cents de perte, là, 9,65 ou 9,55, là, quelque chose comme ça. C'est un bel élan. Le volume est en augmentation. La plupart des titres du secteur sont en hausse aussi. Donc, ça a un peu de potentiel, mais c'est parce que, regarde, on ne pourrait pas l'acheter à 9,84 puis dire qu'on va mettre notre stop à 8,60, perdre une pièce et 20 là-dessus, ça va être 15 % de perte, c'est bien trop. Ça fait que je mettrais comme prix de catastrophe 9,65, 9,60 comme stop loss après l'achat. EMA payé 45,75. Bon, puis là, on est reparti sur le bon bord avec votre EMA, 45,75, un stop à 52,42, ça serait parfait, 52,40, là, dans ce coin-là. On devrait voir toute la formation ici, bon, c'est ça. Donc, puis là, ben, en fait, vous voyez, il est à sa résistance. Et puis, au-dessus de ça, à 54$, c'est un nouveau signal d'achat. Fait que vous avez une très, très belle position là-dessus, Robert. Moi, je n'y toucherai pas. Je la garderai comme ça. Vous avez assez de profit pour ne pas avoir besoin de la sécuriser. Gardez votre position complète parce que l'inversement sera à 52,40. Là, okay? Il vous restera encore 7$ de profit sur 4$. Vous feriez encore du 18% environ. Puis même que je dirais que sur un décollage, lorsque le titre repasserait à la hausse ici, vous pourriez même bonifier votre position un petit peu à partir de 54$. Bonjour, acheté CFP ce matin, 9,59. Il vaut 9,89. Vous faites 30 cents, c'est 3%, c'est pas beaucoup.
Mais par contre, il ne faudrait pas revenir de l'autre bord, OK? Donc, on va faire ça comme ça, là. Regarde, pour l'instant, moi, je l'ai acheté ici, là, quand il a redécollé, là, ce matin. Puis finalement, là, je suis sorti avant l'émission, mais moi, je vous dirais, il faudrait quand même 9,59. Je mettrais un stop à 9,80, puis je garderais la position complète. Salut, Michel 500, SIA. Siena Senior Living. Ce lundi, 19,23. Il vaut 19,34. Bon move, stop à combien? Bon, là, vous êtes parti sur le bon bord. On va juste prendre plus de vision. Bon, OK, regarde, on avait une phase neutre ici en haut de la tendance. Donc, il s'était arrêté là. C'est à peu près, c'était même un peu plus haut que sa résistance. Là, il vient de repartir là. Vous êtes à 19,23. Techniquement, l'inversement serait comme 19,15, 19,10, là, mais vous ne seriez pas à profit. Ça fait que, mais il n'a pas été bien, bien loin. Puis en plus, il y a un marché négatif. On ne peut pas dire qu'il n'est pas bon, le titre. Là, il continue à monter même quand le marché ne descend pas. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'argent pour prendre des profits. Ben, regarde, je pense que la meilleure des choses pour l'instant, ce serait un stop à votre prix payé ou juste un peu au-dessus. Tu vois, comme un stop à 19,29, puis je le laisserai aller. Donc, au moins, vous seriez sûr de ne pas sortir avec une perte si jamais ça va mal, mais ça lui donnerait une chance de monter encore un peu pour aller sécuriser la position plus haut. GWO a calculé le prochain signal d'achat. Je ne détiens pas le titre. Oui, mais GWO, c'est un signal de vente aujourd'hui. Regarde, c'est sans équivoque un signal de vente. Donc, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on voit un signal d'achat. Dans le moment, le seul signal d'achat qu'il pourrait avoir, ce sera aux alentours de 31,42. Mais le titre, ça, on va par en bas. Que se passe-t-il avec Stornoway? Bon temps pour entrer. Oups, on va changer de place ici. SWY, écoute, c'est totalement téméraire de vouloir acheter ça pour pas dire suicidaire, là. OK, regarde, la compagnie, elle vaut rien, elle est dans la merde, elle a plus d'argent, même que Investissement Québec décide de nous mettre un peu plus dans la merde avec ça, parce qu'ils vont leur donner 16 millions pour essayer de se sortir du trouble. Ils n'en auront jamais assez, OK? Donc, comment tu peux financer une compagnie qui est à 2 cents, là? T'sais, ça va faire une dilution extraordinaire. On va arriver au même point de PLI, là, si ça continue. Ça fait que, donc, moi, jamais j'achèterais ça, là. C'est bien trop risqué, là, OK? Bien trop risqué. La seule affaire que... Je suis un peu d'accord avec Max, qui disait ce matin, ouais, ben, je pense que le gouvernement devrait l'acheter, là, arrêter l'hémorragie, là, puis là, chercher un acheteur, là, puis ben, pour ça. Moi, je pense qu'il devrait peut-être la mettre sur la tablette en attendant de réaliser quelque chose d'autre, là, mais pour l'instant, là, c'est une mine souterraine, hein, mais pour l'instant, là, c'est un gros gobe-sous. Où on est en train de dilapider notre argent. Le gouvernement du Québec a mis 500 millions au moins là-dedans. Là. LGO. C'est l'Argo Resources. Là, il a fait pas mal ce qu'il avait à faire dans ces deux jours. Okay? Il est rendu pas mal à sa résistance. Il l'a passé un peu ce matin, mais il est revenu. Vous allez le voir. On ne sera pas capable de voir tout le mouvement dans un 15 minutes parce que ça fait plus que 10 jours. Donc, il est vrai qu'il a l'air beau là. Puis, il est tout correct. Okay? Il y a encore une affaire là. Mais c'est que le titre, il était à 1,57 $. Il est rendu à 2 $. Il a monté de, c'est comme 25 %. Là. Ça fait beaucoup, entre autres. Moi, je pense qu'il va rester là. OK? Qui va stabiliser là, puis ce serait ça le meilleur. Ce serait qu'il se stabilise à ce niveau-là, puis on embarquerait au début du prochain cycle qui pourrait ressembler à 2,5 là, à peu près. On fait une autre pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Tiens, GBB, là, qui est en élan intra-séance, là, qui vient juste de décoller dans un nouveau cycle, vous le voyez ici, là. Puis là, ben, si je me prépare à répondre à une question, c'est TVIX. Bon, regardons ça de même. OK. Donc, là, premièrement, si vous voyez, le SPY, là, il est en train de décrocher. Il fait un nouveau bas pour la journée, ici. OK? Bon, et comme vous pouvez remarquer, c'est que lui, il fait pas une, le TVIX, lui, il fait pas un nouveau haut pour la journée. OK? Donc, en fait, le vous avez raison quand vous disiez... tiens, celle-là, ici. Bonjour, Michel. J'ai essayé de transiger TVIX ce matin sur la baisse du SPY, mais sans succès. Peux-tu m'éclairer pourquoi TVIX n'a pas monté avec la chute du SPY? C'est parce que le marché... Le TVIX, c'est sur les options... sur le SPY, OK? Donc, ce n'est pas une réaction automatique. Donc, quand le SPY finit par descendre, le TVX va finir par le rejoindre, mais temporairement, il y en a un qui peut avancer plus que l'autre. Là, on voit que le SPY est plus fort que ce que TVIX l'est lui-même. Donc, le SPY, regarde ça, c'est un support hier et aujourd'hui. Puis ça, bien, c'est la résistance d'hier et aujourd'hui. Donc, en fait, le TVX devrait être ici. Pendant que le SPY est là, TVIX devrait être ici au-dessus de sa résistance, il ne l'est pas. Okay? C'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait que non, c'est pas facile à trader TVIX. Ça prend les deux graphiques un à côté de l'autre, puis en principe, ce serait comme en 15 secondes les deux. Okay? Donc, on regarde ici la même chose, en 15 secondes les deux. Donc là, ça va être beaucoup plus facile à gérer. C'est du très, 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 très court terme, OK? Donc, regardez, à court terme, peu importe ce qui est arrivé ce matin, là, par contre, ils font leur mouvement en même temps. Donc, quand il a décroché ici, bien, TVIX, vous voyez, il a fait de là à là. Là, le SPY est en train de rebondir, bien, TVIX, il redescend. C'est pas l'affaire la plus facile à transiger. Je recommande pas à quelqu'un qui a pas d'expérience. Puis, pour apprendre à transiger le SPY, là, premièrement, il faut le transiger quand le marché est clairement à la baisse, qui débute à la baisse, puis qui accélère à la baisse. Ça, c'est la meilleure condition pour transiger le SPY. Puis, il faut pratiquer ça avec le simulateur pendant un bout de temps, là, je vous le dis, là. OK? Donc, je vais les rabaisser, ces graphiques-là. Bon, là, avec Nasdaq, le SPY, le Dow a fait un nouveau bas, le SPY a fait un nouveau bas. DBO, à quel prix prochain signal d'achat? DBO. Écoute, cette compagnie-là, là, elle a produit là, dans les dernières années, là, juste au début de 2016. Après ça, elle n'a rien fait. Ils ont bien de la misère avec leur affaire. Ils ont bien de la misère avec ça, leur fameux siège. Là. J'en parlais justement avec les producteurs qui connaissaient... les grands patrons, là, genre, dimanche, jour de ma fête, on était dans une marina, puis on jasait justement de cette compagnie-là. Puis, vous savez, le siège qu'on voit dans les cinémas, ça a l'air que c'est même pas leur vrai siège, là, parce que ça a l'air que c'est un monstre, là, leur grosse affaire, puis ils ont bien de la misère à le commercialiser. De quoi qu'il en soit, le prochain signal, ce sera Vincennes, mais j'embarquerai pas là-dedans. CUV. C'est CUV sur Venture. Bon, ça a l'air d'un faux décollage là, ce matin. Vous voyez, la résistance est là. Il ne faut pas s'embarquer trop vite là-dedans. Là. Regarde, le volume ne lève pas sur le mouvement. C'est juste un petit mouvement à la hausse. Regarde, il a décollé un peu, puis il est en train de revenir. Là. Donc, le signal d'achat là-dessus, c'est pas avant 28 cents.
Bonjour Michel, merci pour votre excellente émission. Merci Christian. J'aimerais comprendre votre position short la semaine passée sur ECA. C'est seulement technique. Merci. Êtes-vous encore in votre position short? J'imagine que non, car il y a eu un petit rebond. Je m'en souviens plus. Je me souviens qu'on avait fait de quoi là-dessus. Y a-t-il encore? Non, on ne l'a plus. ECA. J'ai plus non plus l'affaire. Je sais pas. Je m'en souviens plus. C'était quoi qu'on avait fait là-dessus? T'en souviens-tu, Max? Ben là, on avait une position short sur ECA, aussi. Il me semble que non. On a parlé que c'était un beau short à faire, mais je pense pas qu'on l'a shorté parce que j'ai rien ici à mon écran qui l'indique. Je pense pas qu'on l'avait, mais je pense que j'en ai parlé là ou je sais pas. Là. C'est là ou là ou là, là, un des trois, qu'on a parlé de ça comme un bon short. Et ça s'est avéré aussi un bon short, là. Mais il n'y a pas vraiment là, de rebond là, sur ça. Ça continue toujours à la baisse. Là, il est bien avancé, par exemple, pour commencer à le shorter. Là, il a déjà fait de 9$. Il y a 22-23% de fait à la baisse. Là. Bonjour, Michel. Ton analyse OGN, OGEN, Nasdaq. OGEN. Wesh. Pas très joli comme stock. Entrée à 53 cents US. OK. Bon, vous savez, je répète ça très, 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 très souvent. Là, quand vous voyez un graphique là, qui fait plein de faux signaux là, dans le passé comme ça, il faut vraiment s'en méfier. OK. Puis quand vous embarquez là-dedans, vous avez probablement embarqué ici en juin, là, quelque part à 53 cents. Là. 53, c'est même ici. On ne le voit même pas là-dedans. Il n'a même pas été à 53 cents dernièrement. C'est-tu un point d'interrogation ou pas? C'est parce que des fois, vous savez, il manque quelque chose. Là, je ne sais pas si vous l'avez acheté ou si vous ne l'avez pas acheté. En tout cas, si vous l'avez acheté, il ne faudrait pas qu'il chute en bas de ça. 45 cents, ça prend un stop. Puis si vous ne l'avez pas acheté, bien, on n'achète pas ça avant qu'il stabilise à 51 puis qu'il décolle à 55. Puis regarde, on va y demander 6, 5, 6, 7 cents sur le premier profit, pas plus que ça. HCG payé 19,50. 19,50. Bon, de toute évidence, Home Capital Group, là, il y a 19,50, ce serait-tu ici? Bon, vous l'avez acheté probablement cette journée-là. Donc, puis là, bien, il a reviré de bord, ça s'est annulé, il est revenu, il est remonté. Pour moi, dans mon livre à moi, en bas de 18,75, c'est un signal de vente. Bébé à Toronto, que je vous ai montré tout à l'heure au début de l'émission, qui était dans un cycle, qui débutait un nouveau cycle haussier. On va le mettre en minutes. Donc, depuis hier, là, qui drive, on l'avait dans les top 5 intraséances hier. Ce matin, il est venu donner un beau signal ici, puis un autre il y a quelques minutes juste là. Mais là, en swing trading, c'est un stock qui est parti de 10 pièces et demie, qui vaut 11 pièces et demie. Il a déjà fait un méchant bon bout. Puis, il n'ira pas plus loin dans ce cycle-là que 11 pièces 65. Ça fait qu'il est trop tard pour rentrer là-dedans. Point d'achat pour ENB. ENB est en chute. Pas intéressant, OK? Oubliez ça, les points d'achat là-dessus, parce que ce serait, encore une fois, extrêmement risqué. Donc, le ENB a commencé à désagréger ce cycle-là, OK? Donc, ça veut dire que c'est ceux qui sont entrés ici qui sont en train de sortir là. Puis, il n'y a pas de référence ben nulle part. Prochain support est là, puis l'autre après est ici. Ça fait que, donc, c'est très négatif, on ne s'embarque pas là-dedans. KHC... KHC Kraft. KHC serait-il un essai à long terme? Non, c'est à long terme, là, c'est vraiment... C'est pas parce que le titre descend depuis longtemps qu'il va être bon à long terme, OK? Pour qu'il soit bon à long terme, là, il faut qu'il inverse la tendance à long terme. Et puis, ça va mal, à, comme on dirait, ça va mal en ketchup. Et puis... quoi dire de ce stock-là? Écoute, regarde, qui aurait pensé que cette compagnie-là, un jour, aurait été extrêmement risquée, là? Mais il n'y aurait pas d'inversement de rien avant qu'on passe ici à 32$, à 33$, puis ce serait dans un nouveau cycle qui commencerait à 35$, qui serait intéressant. Puis là, le titre est à 30$.
Mais on ne se risque pas de trader ça entre 30 et 35. Là, c'est vraiment le risqué. Regardez ce qui se passe là-dedans. Là, c'est un stock qui est en dent de scie. Il ne bouge presque pas, malgré des volumes en millions. Aujourd'hui, il y a 2 600 000. Regardez ce qu'il a fait. C'est toutes des petites affaires. Il bouge sur 30 piastres. Il y a une volatilité de 10 cents. Regarde, 30-24, 30-34, il y a une volatilité de 10 cents. Il n'est vraiment pas intéressant. C'était deux fois la même question, Emma. Emma, OK. Mais là, mon Dieu, vous l'avez écrit plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi, là. Donc, vous aviez quatre fois la même question. Bébé Diane poursuit sa petite montée. Bon, acheter, j'ai répondu à ça il y a deux minutes. Cascade Analyse, s'il vous plaît, je ne dessine pas le titre. J'ai répondu à ça aussi au début de l'émission. Pour l'instant, il va bloquer là. Donc, je ne pense pas qu'il va aller vraiment plus loin à court terme parce qu'il a atteint là sa résistance ici. Donc, s'il stabilise en bas de 10$ une couple de jours, quand il décollera au-dessus de 10$? Bonjour Michel, j'ai acheté Canfor 8,80 CFP. À 8,80, il vaut 9,90. Selon toi, du papier, es-tu réel? Je te pose la question pour savoir si j'attends pour la prise de profit. J'en profite pour m'en débarrasser complètement ou je laisse monter sans prendre de profit. Mais non, écoutez, faites pas ça. Regarde, c'est un titre en grosse tendance baissière, là. OK? Fait que, regarde, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, là. Vous avez acheté à 8,80 et puis... De toute évidence, le profit est là, là. Regardez, il est stabilisé ici, là. Mais 8,80, c'est là. Vous êtes là, OK? Donc, moi, je dirais, mettez-vous, si vous voulez prendre une chance qu'il continue à monter, mais au moins, mettez-vous un stop à reculons, là, OK? Donc, ici, dans le moment, là, un stop à 9,80. Donc, s'il top les 9,80, il va probablement s'en aller à 9,30. Fait que vous pourriez mettre la moitié ou toute la position à vendre à 9,80. Bonne idée de vendre à découvert TOU. Quoi ça, TOU? Ah, Tourmaline. Bon, c'est un beau mouvement, la baisse. Ça pourrait être intéressant, mais c'est un gros support important. C'est un petit peu fatigant. Je ne suis pas sûr qu'il va vraiment passer à travers. Le volume n'est pas en augmentation. Allons checker le pétrole, voir ce que ça donne. Bon, USO a arrêté de descendre. Regardons dans le graphique quotidien maintenant. Ça reste toujours quand même à la baisse, OK? Puis regarde, TTEN est comme en décrochage. Moi, je trouve que c'est potable, là. C'est potable. Laissez-moi vous donner un point d'inversement. Donc, on va regarder ça peut-être avec un 4-5 minutes, là. Bon, là, pour l'instant, il rebondit, OK? Ça fait qu'on le ferait juste sur un nouveau bas à 15,90, parce que si vous l'aviez déjà shorté là, il y aurait un prix de rachat à 16,20. Donc, s'il rechute à 15,90, c'est bon. Puis le point de rachat, parce que ce serait inversé, là, c'est 16,20. WFT est reparti. Ah, ça doit être au Canada, non, ça. Oui. Ah, West Fraser Timber. Oui, ça va avec le mouvement des forestières là, qui sont toutes à peu près semblables. Canfor a fait ça, puis il y a plusieurs titres de forestières qui sont toutes des rebonds dans des tendances baissières. Là. Il est pas mal avancé, le signal, pour embarquer là-dedans, je trouve. Ça aurait été préférable ce matin ou hier, après hier, dans son deuxième mouvement ici. Là. Mais là, c'est un titre qui était à 54$, qui est rendu à 61$. Là. Ouh! Ça fait que c'est fatigant pas mal d'embarquer là-dedans. C'est où qu'on met le point de sortie à 57$? Avez-vous envie d'acheter à 61$ puis sortir à 57$? Non, hein? Ça fait que... Mais le risque est là pareil parce que le profit est là, là. Moi, je dirais, par mesure de précaution, là, parce qu'il est trop avancé pour moi, mais si vous embarquez là-dedans, mettez-vous un stop à 59$, puis encore là, c'est 2$ de perte. Là. Il y aurait d'autres supports avant ici qu'on pourrait... Ça pourrait être aussi 60 et 40 comme point de sortie. Mais je trouve, techniquement, je trouve que le mouvement est trop avancé. Jocelyne, quel est le titre technologique d'intelligence artificielle à part Tesla?
Oh, ben ça, c'est une bonne colle que vous avez. On a-tu une liste de stock dans l'intelligence artificielle, Max? C'est pas précis, ça, c'est pas précis, là, vraiment. Tu sais, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de nouveau. Là. La plupart des compagnies dans l'intelligence artificielle sont en développement, là, tout ce qui est nouveau là-dedans. J'en connais pas comme tel des compagnies qui sont identifiées comme intelligent artificiel. Okay? Pardon? Moi, je t'avoue, je ferai une recherche sur Google. Titre boursier spécialisé intelligence artificielle, genre quelque chose comme ça. C'est des grosses, grosses compagnies. Quel est le potentiel de CG? Tout le monde en fait, là, Facebook en fait, Google en fait. Toutes les compagnies, les grosses compagnies, ont une division d'intelligence artificielle. Ils ne peuvent pas ne pas s'embarquer là-dedans. Mais ça ne représente pas des gros pourcentages de la compagnie. Puis je ne connais pas de compagnie comme telle qu'on dit « Ah, ça, c'est une compagnie dans l'intelligence artificielle parmi les stocks qu'on suit. » CG, Center of Gold, potentiel, quand il traversera sa résistance? Oui. À 8,55. 200 HQD. HQD. À 5,67. Il vaut 5,71. Donc, vous n'avez pas gros de profit là-dedans. En tout cas, moi, pour l'instant, je mettrai un stop au prix payé. Parce qu'il n'était pas vraiment décollé, sa tendance n'était pas vraiment inversée, ça aurait été 5,80 le point d'entrée. Fait que vous êtes tellement proche de votre prix payé, je mettrai un stop au prix payé. YRI 502,86, il vaut 2,71, donc vous étiez dans le cycle précédent. Là, il est en train de remonter, on va espérer. Vous savez, vous êtes entré dans un des canards, là, parce que c'est un des moins performants. Du secteur Yamana pour l'instant. Donc, j'espère que ce mouvement-là va continuer, mais c'est vraiment très, 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 très peu. OK? Vous êtes à 2,86. De toute évidence, à 2,50, il y a un point de vente. Il y en aurait même un avant à 2,60. Puis vous avez payé 2,86. Là, il est juste en train de remonter vers votre prix payé. Donc, on va espérer pour vous qu'il va continuer à monter. Mais deux points de vente à la baisse, 2,50, 2,60. Bon, encore la même question, Emma, que vous m'avez envoyée. Je ne comprends pas trop pourquoi. Encore une deuxième fois, encore une troisième fois, encore une quatrième fois, cinquième fois. Mais non, c'est quoi la joke, là? Emma, une fois, vous écrivez votre question, vous pesez sur « send », OK? Puis inquiétez-vous pas, elle va se rendre. Vous m'avez envoyé 8 ou 9 fois la même question ce matin, là. Ride, est-ce que la ride de INSY semble terminée? Oui, elle est terminée depuis un bout. Je l'ai fait moi-même ce matin. Où est-ce qu'ils sont les stocks ici? Il faut le ramener là. INSY, tiens. On va regarder comme ça, puis là, on va le mettre en une minute. Vous allez voir pourquoi c'est terminé. Donc, c'était ce matin. Regarde, on voit encore les reliquats de mes trades, là. Regarde, j'ai ouvert une position de 10 000 à 58. J'en ai vendu 5 000 à 63. Non, 5 000 à 73, puis l'autre 5 000 à 63. Tout sorti ça de là. Puis après ça, rentré ici, pris un petit profit, puis pris une petite perte, puis sorti à zéro. Puis là, après ça, mais ils ne m'ont plus donné de signal intéressant, donc j'ai plus rien fait avec. Mais donc, ça passe, c'était, il y avait, celui-là, ça s'est passé trop vite, là, personne ne l'a vu, mais il y avait ce cycle-là et ce cycle-là à trader. Donc, il a fait ici, il a fait 38,49, puis ici, il a fait environ 49,73, ça a été très bon. Là, il reste encore positif, excepté que là, dans le moment, l'inversement serait aux environs de 52. Seulement que s'il revenait à 52 à partir du moment où il est là, à partir de l'endroit où il est présentement. YM. SWY et PLI furent des fraudes, point à la ligne. La suivante sera NMX. Non, c'était pas des fraudes.
c'était pas des fraudes. Écoute, SWY, là, c'est Stornoway, là, c'est un méchant gros projet, là. C'est énorme, là, ce projet-là, là, ce qu'ils ont fait là-dedans. C'est juste que c'était un projet trop ambitieux. Ils n'avaient pas les moyens de leurs ambitions. Ils ont engouffré de l'argent là-dedans sans compter. C'est quoi l'histoire de ces compagnies-là d'attendre d'être rendues aussi loin dans Dèche avant d'essayer de réagir? Je comprends pas. Mais ils ont des problèmes depuis qu'on partit ça. Ils en trouvent des diamants, mais ils sont pas de qualité, ils ont pas le prix, ils ont des coûts d'opération trop chers, ça reste super incertain. Mais des dépassements de coûts, là, c'est pas la première fois qu'on voit ça, il y en a en masse, là, OK? Puis PLE aussi, c'est totalement ridicule, là. Une fois que Thompson va avoir exercé sa dette en action, là, elle va être rendue à 27 milliards d'actions PLE, dans ce coin-là, là. Ils ont fait le calcul dans le journal de Montréal. Bon, Emma, encore une fois, votre même question, je vous l'ai répondu. D-O-O. Il avait fait quelque chose l'autre jour. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Bon, son cycle est fini. Est-ce un go? Non, c'est une fin de cycle. Donc, le décollage de go, il était à 43,5 piastres. Il s'est rendu jusqu'à 47. Puis là, vous voyez, aujourd'hui, il est en correction. Fin du cycle haussier. Donc, tant que le titre ne sera pas vraiment sorti de cette formation-là, là, ça va prendre encore quelques jours avant de voir un nouveau signal pour ça. GGI, quand le go? Pas pour l'instant. Le titre a fait un cycle haussier, un autre cycle haussier qui était plus petit que le premier. Et puis maintenant, là, on est en train pas mal de faire l'aller-retour. Je vais regarder ici, là. Bon, regardez, le dernier cycle, là, il est ça a pris plus de temps à s'annuler qu'à décoller, mais ça ne fait rien, il est annulé pareil. Donc là, on est dans une phase neutre. Donc, il faudrait que le titre revienne à 1,15 $, se déplace de côté ici à 1,15 $ avec la résistance et après un décollage à 1,20 $. Tant qu'on ne verra pas ce pattern-là, le titre n'est pas intéressant. PYX peut-il décoller? J'en ai 120, prix moyen de 22 $. PYX, 22 $. Ben, pour l'instant, c'est bien dur à dire. Oui, il peut décoller, mais il peut aussi décrocher. C'est un titre qui est assez volatile, le Pyxus, là. Mais quel côté il va prendre? C'est ça la grosse question. Je pense que ça prend un stop à 15,5 $, puis ça serait un élan haussier, puis un signal d'achat à 20,5 $ pour le moment. BPTH à New York. BPTH. Encore un autre qui fait des faux signaux, Biopath. Vous voyez, il y en a eu un là, un là, un là, puis un ici. Je pensais à un décollage hier, mais cela est manipulé ou pas? 100 à 20,75. OK. 20,75. Donc, 100 à 20,75, c'est que vous étiez ici, là, je présume, là, pour avoir été dedans à 20 piastres. Ça, c'est 24. Ça, c'est 22. Ça, c'est 20. Donc, c'est dans ce sens-là, 20,30, 20,75, c'est à peu près ici. Donc, vous deviez être là, je suppose. Mais... parce que je pense pas... Attends un peu, là. 20,75, c'est là. Sur la ligne. Donc, forcément, c'est quelque part que vous l'avez acheté. Soit ici, soit là, ou soit là. Il y a trois endroits où vous avez pu payer 20,75. OK? Si c'est là, on comprend que vous êtes encore dans la position. Parce qu'il y a un bon support. Donc, ça vous prend un stop. Ça fait loin, 20,75. Hein? Regarde, là, le titre. Il y a un signal de vente à 11,10 $. Puis, il y a des signaux d'achat. Je ne les considérerais pas parce que, regarde, il avorte tout. Là. C'est vrai que ça a été un beau mouvement là, mais à partir d'ici, on avait déjà deux autres mouvements qui étaient en arrière. Mais remarquez une chose, c'est que nulle part, il n'y a jamais eu vraiment beaucoup de gros volumes avec ça. Ça, c'est une position qui va être difficile à gérer, c'est clair. EFL à Toronto.
Non, c'est pas la bonne place. EFL. Electrovaya. Je ne détiens pas le titre. Bon, mais là, vous voyez, il valait 4 piastres et quart. On ne voit pas ce qui se passe en bas. Là, ça fait que je vais réduire la quantité de données. Là. Tiens, c'est comme ça qu'on la voit le mieux. Donc, le prix actuel équivaut pas mal à une grosse zone de résistance. Là, OK? Donc, il devrait se calmer puis rester là. Vous voyez ce point-là, là, où est-ce qu'il est juste un petit peu au-dessus des 29. Là. Donc, sa résistance est à 31. Donc, dans le moment, vous voyez, il est en train de ralentir parce qu'il s'en revient. La tendance est toujours haussière, mais c'est une grosse formation triangulaire ascendante. Là. Donc, il devrait rester calme ici. Puis là, s'il nous fait une belle formation neutre, là, quand il redécollera à 30 cents avec un volume d'à peu près 400 000. TOS, c'est un achat. C'était hier. Il est vraiment pas mal avancé. Là. Le titre a fait 50 %. Là. 30 cents à 45 cents, là, c'est 50 %. Puis en plus, là, il va s'arrêter à sa résistance qui est là. Donc, il va se stabiliser ici à 40 cents pendant quelques jours. Puis lorsqu'il décollera à 50, 45, 50, ce sera le temps. TEUM Nasdaq. Se trouve à un bon point d'entrée, 2,90. Mais attention, regardez, c'est une tendance baissière. S'il y a une formation triangulaire descendante, on n'est pas sur le bord de voir un inversement. L'inversement se passerait seulement qu'à 3,25 $. Donc, 2,90, c'est pas bon. OK? 2,90, c'est pas un bon point d'entrée. C'est probablement là que vous le regardez avec un microscope trop puissant, là. OK? C'est pour ça que vous pensez ça, là. Mais regarde, ça, c'est... Il n'y a pas vraiment de potentiel là-dessus. Dans le moment... avant de faire une transaction, là, regardez-le en minutes, si vous voulez, mais regardez-le aussi en 15 minutes, OK? Regarde, voyez, là, il y a une résistance que vous ne voyez pas dans un graphique en minutes, ici, à 3 piastres, là. Donc, puis la tendance est comme ça, là. Ça fait que c'est vraiment, là, 3,10, 3,25, là, dans ce coin-là. Je regarde EIF à Toronto. EIF à Toronto. Exchange.com Corporation. Le titre est assez performant. Il y a une énorme résistance là dans le moment. C'est une belle situation, OK? On ne la voit pas dans le graphique quotidien, mais regarde, elle est vraiment pas loin, là. Elle est juste ici à 37,50, là. Puis le titre, là, il est à 37,20. Donc, je vous dirais, ce que j'aurais aimé voir, le volume augmenter comme ici, là, OK? Sur une traversée comme ça. Donc, ça nous prendrait une cote, là, claire et nette, là, OK? Donc, ce serait achetable, là, comme à 38 $, mais on voudrait avoir au moins un volume de 200 000. Bon dividende, il monte toujours. Tu vois ça comme un tant mieux pour le dividende, mais il ne faudrait pas perdre du gain de capital pour gagner un dividende non plus. Ça fait que, mais moi, je pense que c'est direct au-dessus de là, là, 38 $, ce serait le bon point. SM à New York. SM Énergie. Vente à découvert. C'est faisable. C'est pas un nouveau mouvement. Là. Son plus beau mouvement était à la traversée de son support multiple ici. Là, c'est juste un autre support. Mais le, comme je disais tantôt, bon, puis le potentiel, il est jusqu'à son support de 7,85. Donc, il est à 11,13. Moi, je dirais que ce serait shortable à partir du dessous de ce support-là des derniers jours. Donc, ce serait en 11 $ et moins, OK? Mais avec un maximum de 8, là. Mais, mais je sécuriserais la position même avant, même le premier dollar. SMF à Toronto. C'est ma faute. Hey. Marché américain. SMF. Bon, mal avancé, comme signal, son signal d'achat, c'était à 4,15 $. Puis là, il est rendu à 4,75 $. Il est quand même intéressant. Attends un peu, pourquoi que je vois ça de même? C'est quoi qui se passe là-dedans? J'ai un problème avec ça, ça ne marche pas.
Je ne catche pas. Ah, c'est en hebdomadaire. OK. Bon, là, ça a plus d'allure. Parce que je me demandais, bien, il était où les cotes? J'étais dans des cotes hebdomadaires. Donc, regardez, SMAFO, on n'est pas très loin. OK? Mais il y a tellement de résistance. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Donc, son point d'entrée, là, c'est 4,90 à 5 $. DASH sur Venture. H. Prochain point d'entrée en haut de 16 cents. Je suis déjà in. On dirait qu'il veut repartir. Est-ce que je peux acheter tout de suite à 16 cents ou bien j'attends qu'il monte à 17? Peut-être mieux d'attendre qu'il monte à 17. Vous êtes déjà in, donc je présume que vous êtes quelque part autour de 7-8 cents, puis que vous faites déjà un profit. Mais là, c'est parce que si vous augmentez votre position avant que le titre vraiment nous montre le début du cycle haussier, puis là, il part par en bas à la place, vous allez descendre deux fois plus vite que vous avez monté. Si vous l'aviez acheté ici, puis vous doublez votre position là, le titre revient juste ici, puis vous faites plus d'argent. OK? Parce que vous allez avoir augmenté votre position. Ça fait l'effet inverse de réduire la position. OK? Au contraire, si vous vouliez... Là, c'est parce que vous cherchez à vous remettre au risque. OK? Moi, je vous dirais, vous êtes in. Vous avez une belle situation si vous l'avez acheté avant, là, en bas, 7, 8, 9 cents. Donc, vous êtes in. Moi, je garderais toute la position si vous voulez. Je mettrais un stop loss à 11 cents, puis je dormirais là-dessus. Dash, un go. Non, à haut de 17 cents. Je regarde pour acheter HNU. Ben pourquoi? Le gaz descend. Le gaz est en chute. Regarde, il est vraiment pas positif, le gaz. Là. Et pour acheter le gaz, il faudrait qu'il repasse à 10,75. Donc, acheter... vous voulez acheter, c'est ça, HNU. HNU sera un achat à 10,75 seulement. Point d'entrée, SAP. Saputo. En tout cas, ça va bien mal pour Saputo, qui a perdu un gros pourcentage, puis a perdu 3 mois de hausse en 2 jours, puis il ne rebondit même pas. Fait qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va rechuter encore? Moi, à mon avis, c'est vraiment très, 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 très risqué. Ce serait un achat à très court terme pour un petit swing rapide à 40 et 60. André dit, est-ce que je suis le seul qui trouve que la bourse depuis 2 mois est plate? Non, vous n'êtes pas tout seul. Elle est plate et difficile. C'est parce qu'on est en situation de sommet. C'est toujours la même chose quand on est en situation de sommet. Par contre, elle risque de ne pas être plate tout le temps. Il faut savoir jouer la bourse des deux côtés. Donc là, ce qui pend encore au nez, c'est l'affaire de la Chine et des États-Unis. On a connu un gros rebond. C'est fait sur des moins bonnes nouvelles que les mauvaises nouvelles qu'il y avait avant. Mais quand même, c'est là que le marché voulait. Bien, là, tous les trois marchés sont dans une position neutre très évidente. Donc, si on vient traverser ce support-là, bien, on s'en va là, OK? Donc, il va y avoir des points à faire, là, OK? Il va y avoir des FNB à acheter, il va y avoir deux choses à faire. Mais là, ici, avant, juste en dessous d'un sommet historique comme ça, là, avec un... Hey, quand on parle d'une résistance, c'est toute une résistance. Ce n'est pas une résistance sur un penny stock, là. C'est une résistance sur la bourse au complet. Donc, on a une ici à très court terme, mais même si ça le passait, hey, ça va être dur à traverser ce plafond-là. Autant sur Nasdaq, sur le Dow, sur le SPY, que même sur le TSX aussi. Un petit peu d'argent entre là et là à faire, c'est tout. Donc là, puis là, si on achète des positions d'achat là, à la hausse, puis le marché part par en bas, bien, regarde, on est rentré dans un marché qui était en tendance. Parce que là, regarde, c'est encore un marché en tendance baissière. Le rebond n'a pas inversé la tendance. Pas à Toronto, mais oui, ici. Mais en fait, on n'a pas de nouvelle tendance haussière. On a juste. On est revenu dans une phase neutre, dans le fond. C'est quand même très risqué, mais si le marché décroche par en bas, il va y avoir une belle passe à faire des FNB baissiers. Puis dans l'or, qui va probablement réagir à la hausse. PAT, PAT, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. 1,83, dois-je vendre ou mettre un stop? Écoute, la tendance est baissière. Là. Je ne vois pas quand est-ce qu'il va arrêter de descendre. Je pense que vous êtes à 1,83. Regarde, ici, il y aurait un stop à mettre à 1,70. Parce que, regarde, il est arrêté sur ce même support-là. Là.
Donc, il est un petit peu plus haut ici, là, mais ici, on parle de ce support-là. Je considère à découvert DII. DII à Toronto? Pourquoi je ne l'ai pas? Non, c'est pas DII à Toronto. Je ne sais pas c'est quoi votre symbole. Ah, DIB. Point B. C'est correct. Moi, je trouve ça correct. Oui, c'est short table, ça. Regarde achat, nouveau TH. Ben, TH, une grosse tendance baissière qui a même accéléré. Là, il y a une triple résistance ici. Puis même s'il venait traverser la triple résistance, il ne traverserait même pas la ligne de tendance. Fait que c'est pas mal ambigu. Puis déjà, il y a un gros profit à faire d'ici à son point d'inversement. Mais son point d'inversement, là, il est juste après qu'il aura atteint cette résistance-là. C'est seulement que là où on va tomber dans le ciel vide. OK? Ça fait qu'en attendant, ben pour du très, 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 très court terme, de 7$ à 7$45, c'est le seul potentiel qu'il y a. C'est 5%. Oui, Emma, je vous excuse, Emma. C'est juste que je comprends pas pourquoi votre ordi renvoyait toujours la même question. S'il y a bon brin d'achat, non, c'est pas bon brin d'achat. Seulement, j'ai dit trois fois aujourd'hui, regardez, le patron est encore là, là. Donc, il faut qu'il monte à 3$, stabilise à 3$, décolle au-dessus de 3$. NFI, bien avancé dans son cycle haussier. Le titre a atteint une très, très grosse résistance. Donc, il est quand même encore positif, là, mais c'est fatigant quand le titre il a fait 32 à 37. Là. Moi, je ne pense pas qu'il va dépasser les 37. Là. Je pense qu'il va rester dans ce coin-ci. Attendez une pause de quelques jours, puis encore une fois, là aussi, c'est quand le ciel est bleu ici, là. OK? Au-dessus de cette résistance-là. Donc, laissez-les se reposer. Quand il aura fait une pause de 2-3 jours et qu'il passera au-dessus de 37,50, ce sera le temps d'entrer. Point d'achat pour Doux. C'est pas un achat pour l'instant, Doux. pas du tout. OK? Il est en arrêt de cycle. Il a fini son cycle haussier. C'est seulement qu'au décollage du prochain cycle qu'on pourra voir. Puis, pour l'instant, il est en baisse. Donc, et puis, il est en train de... En fait, moi, je le vois comme une formation neutre dans le moment. Ça va prendre un petit bout de temps, là. Avant 47,5, je pense pas qu'il serait intéressant. SGY à Toronto. Surge Energy. Un achat ou trop risqué? Survendu, pas de support. C'est bien ça, SGY. Pas de support. Il est survendu, oui, sûrement, avec une chute de même, mais il vient de traverser un support de 1, 2, 3, 4, 5 mois. OK, on ne peut pas shorter ça. Le titre ne vaut pas assez cher. On n'a pas le droit. Mais ça, c'est un point de vente pour quelqu'un qui en a. C'est très loin d'un point d'achat. Conimar, est-il mieux pour un achat? Je ne reconnais pas le symbole par cœur de Conimar. CUF.UN. OK. Donc, n'oubliez pas de marquer vos symboles. Est-il mieux pour un achat? Non, il est mieux pour une vente. Regardez, il vient de bloquer ici. Là. Il est en train de revirer de bord aujourd'hui à cette importante résistance-là. C'est une longue tendance baissière. Puis là, vous voyez, il est arrivé à son point d'inversement de sa tendance baissière. Donc, il va se calmer là. Il y aura un point d'entrée seulement que vers les 12,75. SWY, le prix du diamant a baissé de 50%. Bien, ça n'aide pas leur cause, hein? DO, acheté 43,40 vendredi. Ouch! Il vaut 45,71. Moi, je suis à vous, je prendrais la moitié des profits. Dès là, immédiatement. Les stocks d'or sont-ils près d'un breakout? Ils l'étaient. Parce que l'or est en hausse aujourd'hui. Les titres orifères sont en hausse aussi. Mais il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. En fait, l'or n'est pas sur un nouveau haut. Okay? Les titres orifères sont tout proches. Là. Ça veut dire que quelques-uns peuvent avoir performé mieux que le secteur. Donc, mais il n'y en a pas vraiment beaucoup qui sont vraiment passés, traversés. Là. C'est un beau mouvement. C'était un mouvement intéressant en intra-séance. Le seul que j'ai vu qui était en breakout aujourd'hui, c'était Pretium.
Écoute, il y en a tellement de questions. BLDP payé 5,50. BLDP payé 5,50. Regarde, ça vous prend un stop à 5,05. Prochain point d'entrée pour Loop. L-O-O-P. L-O-O-P. C'est ça? Nasdaq. 9 piastres et plus. Acheter 250 NA à 60,80. Bien, je suis à vous, je fermerai ma position tout de suite parce qu'on s'en va vers votre prix payé. Est-il temps de shorter le cannabis? Merci pour vos conseils. Ça me fait peur, shorter le cannabis, parce que à chaque la moindre petite nouvelle, le monde s'emballe. J'en achèterai pas, mais je trouve ça rough de les shorter. Je ne shorterai pas celui-là, je ne shorterai pas celui-là, je ne shorterai pas celui-là. Il y a juste... on a shorté l'autre jour, puis on n'a pas fait grand-chose avec ça. La condition n'est pas idéale non plus. Ils sont tous encore au-dessus de leur support. Moi, ça me fait peur shorter le cannabis, à cause que n'importe quoi peut sortir une nouvelle pataf, puis ils vont tous monter de 15% dans une journée, là, tu sais. S-O-L-Y, mais je n'achèterai pas, comme je vous dis. S-O-L-Y, Soli, que pensez-vous? Conférence ce soir, une révolution pour enlever les tatous. Bon. Ça, c'est la nouvelle que c'était pour aller jusqu'en haut. Mais là, pour l'instant, le titre est en baisse. Fait que moi, je pense qu'il est pas mal risqué. Il est en train de tester son support. Juste avant une conférence, là, c'est du gambling à 100%. Là. Je fais environ 6% sur Apple. Il commence une petite baisse à pas... APL. Bon, il commence pas une petite baisse, là. Vous faites du 6%. Ben regardez, il y a une formation neutre, là. Hein? C'est pas compliqué. Regarde, il y a un point de vente pour une position à très court terme à 193. Oui, il prend du mieux. J'ai acheté 56,50. Vous trouvez, vous? OK. Il prend pas du mieux. 56,50, il vaut 56,80. Moi, je te flusherais ça direct là. BCE. BCE. Quel prix acheter? Au-dessus de la résistance ici, comme on avait fait la dernière fois, là, le dernier signal était là, après ça, il y en a eu un autre là, puis là, le prochain signal, il était à 63$. AYX. Sur New York, AYX, il est en feu, stock à 100$, là il est bloqué à sa résistance. Bon, ben regarde son prochain point d'entrée, c'est comme 108$. Vusy trop tard, c'est moi qui l'ai mis Il est pas mal tard en swing trading, en tout cas. Il est juste beau en day trading de temps en temps, là, quand il revient donner des signaux, comme hier après-midi ici, puis comme ici ce matin. Mais là, il est en train de se calmer. En swing trading, c'est définitivement trop tard. Le titre est parti d'une pièce 80, il est rendu à 4 piastres. Là. Ça m'inquiète. Moi, je pense qu'on est mieux d'attendre le début d'un prochain cycle. La section en bas de l'écran, la section des volumes, pouvez-vous m'expliquer l'explication des couleurs vert et rouge? Bien, quand ils sont verts, c'est que le volume s'est passé sur une hausse. Puis quand ils sont rouges, ils se sont passés sur une baisse. Regardez ici, de là à là, ça a été des hausses, parce que c'est pour ça qu'ils sont blancs. Des fois, ils sont jaunes, là, mais c'est blanc ou jaune. Puis quand ils sont rouges, c'est quand ça descend ici comme ça. Donc, ça nous aide d'avoir les volumes qui correspondent avec quoi au-dessus. Tu sais, ça nous aide juste à la visibilité. OK, c'est tout. Bon, on a dépassé pas mal de 7 minutes. Il y a une émission d'une heure, 7 minutes là, qu'on a eue pour l'instant. Bon, il y a un petit rebond, oui, dans le cannabis. Là, il y a juste weed, mais ils font ça régulièrement. Bon, les marchés vont revenir sur le bas. On voit là, que le rebond est fini. C'est en train de revenir par là. Donc, le marché est quand même encore assez insécure. Mais regardez, la chose la plus importante à retenir présentement, c'est que le marché est en fin de cycle. On en parlait hier. Ça, on confirme encore aujourd'hui. Toute accélération à la baisse, il faut diminuer les positions qui vont être affectées. Il faut ouvrir des positions FNB à la baisse.
OK? Parce que si on décroche par là sur le SPY, sur le Dow, puis sur le TSX, tout, puis sur le SPY, c'est toute la même chose. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir été avec nous. On se revoit bientôt.